Mathieu, Carlos a transpercé le peloton à ligne droite. Bah ouais, ils sont venus tout seuls à moi dans le dernier tournant et j'étais vraiment encore emballé au trot. Quand t'es venu au départ de sprint de Buenos Aires, t'étais dans quel état d'esprit avant le coup? Peu de gens te voyaient une chance et toi? Bah non, à la base je peux pas me voir gagner comme ça, ça faisait un moment qu'il courait moins bien. Mimi m'avait dit qu'il revenait bien, qu'il retrouvait son bon niveau, mais il a pris dur avec la saison de monte, on ne l'avait pas eu de l'été. Et là il a retrouvé son vrai niveau et quand il est comme ça, il est vraiment très bon. Et il a eu un passage de classe dans la ligne droite. Tu dis que c'est les autres qui sont venus à toi, mais il n'a pas eu de changement de vitesse? Il est tellement dur que 4000 mètres, il va marcher 14,5 pareil. Si, il a su bien sprinter, mais il venait à moi facilement, j'étais vraiment emballé. Et j'ai même arrêté de taper avant le poteau alors que c'est un cheval froid, c'est pas son habitude. Oui, t'avais même vu lever la jambe à mi-ligne droite, c'est une joie particulière pour toi, Sprint Buenos Aires? Ah bah ouais, c'est quand même des belles courses, c'est quand même des bons shows. C'est pour mon oncle, c'est des groupes 2, c'est beaucoup d'émotions, ça fait vraiment plaisir de driver des bons shows comme ça. Bravo Mathieu. Bernard, deuxième avec amour, quel est ton sentiment maintenant? Heureux, le cheval revient bien. Maintenant battu par Carlos, un cheval de 10 ans. Voilà, maintenant. C'était pas celui auquel du coup tu pensais? Non, je pensais pas à lui. Hein. Tout le monde, mais pas Carlos, mais bravo Mathieu Mautier, que je connais bien, qui drive souvent mon cheval Croix de Gauthier. Bah bravo. Mais amour revient bien. C'est sa saison. C'est piste plate. Il va revenir dans 15 jours, je pense. Et j'espère que tu vas nous faire une interview de gagnant. De vainqueur. Alors juste une petite question indiscrète, on va dire. Il était engagé dans le prix Dominique Savary. Pourquoi avoir couru ce prix de Buenos Aires? Le prix de Dominique Savary, je pense qu'on avait passé des gains. Ah, j'ai eu 595, non? Oui, mais c'était 575. Excuse-moi. Voilà, apprenez votre métier, Yann, voilà. C'est pas grave. Ça ira dans le bêtisier. Nous courons le 2 normalement, mais c'est Vincent qui regarde. Hein. On a une course soit le 2, soit le 13 en gain. Voilà, bon, on va tout faire pour que Carlos ne vienne pas. Et l'étranger? Alors l'étranger, on aimerait bien y aller aussi. Il faut pas me regarder. C'est lui. C'est lui. Alors moi, j'aimerais bien aller à l'étranger. À Mons, apparemment, on a été invité, mais il paraît qu'il n'y a que des champions là-bas. Donc on va voir, on va essayer de relever le défi avec Olivier, on va essayer d'y aller. Et puis sinon, on aimerait bien aller à Cannes-sur-Mer aussi. Il n'y a pas besoin d'invitation pour aller là-bas. Ah là, non, il faut juste être qualifié. Un maillot de bain et on est qualifié, c'est bon. Mettre à l'ombre. Rester à l'ombre, maximum. Là-bas, on est bien, là, donc. Lui, on met un coup de vieux sur la tête et tu reviens par là. Pierre, troisième avec Shadow, on va dire que le contrat est rempli pour toi? Bah effectivement oui, les clients souhaitaient que je m'évertue à leur donner une carte des talons pour le cheval, donc une carrière des talons, c'est chose faite et puis bon, bah, le cheval nous fait plaisir au niveau sportif, il a été bon. Le dire roulement de course, on peut dire que Jean-Michel en a tiré la quintessence? Oui, hein, c'est très tactique, les relais du premier tour ont certainement été un petit peu coûtants pour les chevaux dans leur effort. Mais on est quand même troisième. Global Manhattan avec qui on a fait des relais second, donc ça n'a certainement pas changé grand chose. C'est le driver le plus patient qui a gagné la course. La suite de son programme, Shadow, ça passe par quoi? Bon, certainement une ou deux courses en province, trophée vert à 50 mètres pour lui faire oublier cette grosse course. Et après, on a un objectif avec lui? Bon, pour l'instant, j'ai pas d'objectif réel en tête. See you again.